écoutez, on va trop fort toute l'après-midi, donc... C'est pas accessible, c'est tout derrière là, c'est derrière la scène tout est filmé, c'est pas possible. Là, on entre en 30 secondes. Mais j'ai juste un truc à dire. Bah, essaye de passer derrière discrètement. Je comprends tout à fait si j'arrive pas à. Passe par le truc bleu. Ok. Essaye de rentrer par derrière en faisant attention et. Je vais être plus rapide possible. Et de ne pas être dans le champ de la caméra. Ok, je me dépêche, je te remercie. Hein ? Eh bien, sur une chaise. Et alors ouais, vous pouvez être sans masque au micro. Si vous savez. Crise de risque. Bonjour. Bonjour. Alors, celui-là, il est éteint. Et le deuxième, je ne sais pas où il est. On doit se rapprocher quand on parle comme ça, ça suffit. Non, comme ça, c'est bon. On n'est pas obligé de... Non. De se coller. Ok. Alors, où est la personne de Biloum ? Eh ben non, c'est parfait. Le petit sac corporate. C'est ça. Donc Hélène a légèrement changé. Oh, c'est un faux, je me rappelle le ton prénom. Marine. Ok, t'es bon Daniel ? Ok. Ben, c'est parti. Ah, on va attendre la fin de la spirale du sèchement. C'est ça. Eh bien, tout le monde se réinstalle. On va pouvoir redémarrer cette journée de table ronde. Je tiens à vous remercier encore une nouvelle fois d'être présent, soit dans nos locaux à Villette Makers, soit de nous suivre en ligne. Remercier également tous les partenaires qui ont permis cette exposition. Pour les citer, les canaux. Atelier de Paris, Paris Fabrique, Circula, Matériopôle, la coopérative Nu qui nous a rejoint à cette table, Paris Senco. Et puis toute l'équipe aussi de la Villette qui rend ça possible, avec au platine Monsieur Daniel. Donc cette troisième table ronde de la journée alors, est improprement appelée Design Régénératif. Alors, en guise d'introduction, je vais vous rappeler les deux premiers principes de la thermodynamique. Donc c'est le moment de sciences physiques qui va vous rappeler le lycée. Alors, l'énergie totale d'un système est constante ou invariable dans la nature. Somme d'énergie finie. Elle se transmet donc d'un système à un autre. C'est le principe des vases communicants. Et ce second système est toujours plus difficile à transformer que le premier. Ça veut dire que quand on a fait une première transformation, et bien pour retirer l'énergie du système qui est transformé, c'est de plus en plus difficile. Ceci affirme que l'évolution... À chaque fois qu'on fait une transformation, on dégrade l'énergie, et donc ce qui implique la notion d'irréversibilité d'une transformation. Alors, ça, c'est les deux premiers principes de la thermodynamique. Ceci étant dit, c'est pour donner une définition de la conception régénérative, qui est un principe qui exigerait que les produits ou services contribuent à des systèmes qui se renouvellent et qui se reconstituent. Cela signifie finalement que les produits, les matériaux et l'énergie qui rentrent dans un produit ou dans un processus peuvent être réintroduits dans le même processus ou système, nécessitant peu ou pas d'intrants pour le maintenir. Donc voici une définition. En fait, je l'ai donnée juste pour dire que d'un point de vue strictement physique, le design régénératif, ça ne peut pas exister. Mais dans le cas qui nous occupe,
On va faire un petit pas de côté de cette définition et on va considérer plutôt que la régénération, elle se situe pas tant du côté de la matière que de la régénération du corps social. Et que l'ensemble des pratiques que l'on peut faire, qui peut en même temps que l'on va prendre soin de la matière, va nous permettre d'avoir une action qui, combinée à celle-ci, permet d'établir ou d'améliorer une situation intérieure. Je n'ai pas invité des spécialistes de la thermodynamique donc pour en discuter, mais plutôt des designers et des praticiens qui vont nous apporter un point de vue éclairé. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir à cette table Eugénie de la Rivière, François-Xavier Ferrari et Marine Linhart, qui représente Hélène de la Mourière, qui est la fondatrice de Bilhomm. Alors, du coup, je vais commencer par ta fausse biographie, si tu me permets. Oui, ça marche. Donc, ce n'est pas la personne, mais bon. Vous n'avez donc pas un background en communication. Non. L'histoire d'Hélène de la Mourière. Donc, après une première expérience, ou une longue expérience dans la communication et la vente de toiles publicitaires, a eu envie de faire un grand changement, une reconversion. Elle a envie de créer, elle avait eu un background de famille de brocanteurs. Elle avait envie de créer quelque chose autour de son précédent métier et de cette histoire-là. Alors, il existait déjà des références internationales dans le recyclage et dans le réemploi autour des bâches, mais il n'existait rien en France. Et donc, elle est partie ce défi et elle a essayé de créer Bilhomm. Et voilà, donc c'est une des premières marques en France qui date de 2005. Donc, elle a pu essuyer un petit peu tous les plâtres de toute la recherche autour de l'upcycling pour arriver à définir aujourd'hui quel est son modèle économique dont on va pouvoir parler, et qui est aujourd'hui une des belles réussites de l'upcycling en France. Donc, Bilhomm, c'est une maison de création française fondée en 2005 qui donne une seconde vie à des matières vouées au rebut ou oubliées en sac ou en accessoire. Leur atelier se situe à Choisy-le-Roi. Il abrite une joyeuse équipe de 7 personnes où ils y préparent les matières. Ils ont un petit atelier de confection pour tester les nouveaux projets, réaliser des prototypes et des mini-collections. Et les grandes séries, jusqu'à 3000 pièces, sont confiés à des ateliers partenaires. Alors, à ce jour, Bilhomm a recyclé 60 000 m² de matière, 20 tonnes et plus de 250 000 pièces. J'ai le plaisir également d'accueillir Eugénie de la Rivière, qui est bien elle-même. Vous êtes designer de formation, vous avez commencé des études artistiques avec la volonté de devenir art-thérapeute, qui est une démarche qui consiste à accompagner les personnes souffrant de troubles psychiatriques à l'aide de pratiques artistiques qui offrent d'autres façons de communiquer. À vous suivre. Elle est fondatrice du studio design d'Emmaüs Alternative, situé à la ressourcerie L'Alternative, dans le 2e arrondissement. Donc, les résilientes qui a démarré en juillet 2017. Et donc, le studio de design et d'insertion professionnelle d'Emmaüs Alternative. Ce projet poursuit un objectif double. Un premier objectif social, en adaptant les méthodes d'innovation créative utilisées dans les studios de design à un chantier d'insertion professionnelle. Et environnemental, à travers la revalorisation des objets et matériaux invendus et invendables issus de leurs dons, et à la sensibilisation au public aux enjeux environnementaux à travers cette activité de redesign. François-Xavier Ferrari, vous êtes cofondateur de MU. Votre intérêt pour l'environnement et pour une approche durable du métier de design a déterminé votre orientation professionnelle. Avant MU, vous avez occupé différents postes de consultant. Vous avez pu développer plein de compétences créatives et techniques. Et vous êtes également enseignant dans de nombreuses écoles. Centrale Lyon, Design Nantes Atlantique, Les Arts Décoratifs, l'ENSI, l'IUT de Saint-Denis, l'Université Technologique de Compiègne. Et l'agence MU est une agence d'éco-conception qui allie l'analyse et la précision de l'ingénierie de l'environnement et l'approche intuitive et créative du design industriel. Vous avez accompagné depuis plus de 10 ans des startups et des TPE, parmi lesquels GobiLab, Olution et RecycWest, en les aidant à transformer leurs idées de produits en éco-produits innovants, ainsi que des grands groupes pour intégrer l'environnement dans le processus de conception de leurs produits. Je suis ravi de vous accueillir. Et donc, cette table ronde va se dérouler en 2 temps et demi. Le premier temps, je vais poser une première question un peu pour vous permettre de présenter un peu votre entreprise et votre projet, votre parcours. Un deuxième temps, c'est des questions un peu plus ouvertes où voilà, chacun pourra un peu réagir. Et puis après, des questions un peu soumises en débat, et nous laisserons la parole également à notre audience présentielle et en ligne grâce à notre speakerine Daniel qui pourra faire la médiation. Alors, tout d'abord, Marine, Bilhomm est l'un des pionniers de l'upcycling en France et vous vous attachez à confectionner
l'héritage des marques à partir de leur propre matière. Est-ce que vous pouvez nous raconter le parcours? Est-ce que vous entendez par là? Alors, tout à fait. Déjà, oui, je prie de m'excuser. Hélène, du coup, ne peut pas être là. C'est la fondatrice de Villem. Elle est contact Covid, oblige à attendre le résultat des tests. Donc voilà, on est vraiment dans l'actualité. Et moi, je suis responsable commerciale de Villem côté B2B. Villem, donc, est une maison de création qui a débuté maintenant il y a 15 ans. On a démarré en fait l'aventure en proposant des sacs accessoires à partir de matières récupérées, principalement des bâches publicitaires. Vous voyez l'exemple derrière vous, le sac jaune. Et en fait, à l'époque, il y a 15 ans, les clients n'étaient pas encore, le secteur n'était pas encore assez mature. Et on s'est lancé, merci beaucoup. On s'est tourné beaucoup plus vers le B2B. Donc moi, je m'occupe exclusivement de ça, qui fait la grande majorité de notre chiffre d'affaires. Et effectivement, on confectionne l'héritage des marques à travers leurs propres matières. Peut-être que vous devinez ici, on a un sac qui a été fait dans une bâche qui est assez connue dans l'événement sportif national, qui a lieu bientôt d'ailleurs, peut-être que vous reconnaissez. Roland Garros, tout à fait, voilà. Et ici, par exemple, c'est un sac qui a été acheté par la BNP, qui est partenaire de Roland Garros. On a récupéré ces bâches, ça a été racheté par la BNP, ça en a été fait. En fait, après, la revente a été destinée à une fondation pour le tennis et pour les jeunes. J'ai d'autres exemples à vous montrer assez parlants. On traque le ministère de l'Intérieur, qui a une matière qui devrait être jetée et qu'on sauve, entre guillemets, qui est assez facile à reconnaître. Les blousons de la gendarmerie, oui, effectivement. Voilà, et donc c'est le ministère de l'Intérieur qui nous rachète ces produits-là et s'en fait des cadeaux aux ambassades, délégations, qui sont assez marquants et emblématiques de leur métier. Et un dernier exemple peut-être, ici vous êtes dans un avion Air France, c'est une housse de siège d'avion transformée. Voilà. Le gendarme. Le gendarme. Voilà. Et du coup, donc, on est une maison de création, on fait tout en France, principalement région parisienne. Toutes les matières arrivent chez nous, on les découpe à la main et au cutter. Quand ça peut être lavé, c'est lavé par du personnel d'insertion sociale qui est détaché chez Villem. Et ensuite, la confection est principalement aussi en région parisienne et avec en majorité des ateliers ESAT qui accueillent des personnes en situation de handicap. Donc voilà, on essaie de lier à la fois l'engagement environnemental et sociétal et social. Voilà pour l'aspect B2B, mais je parlerai peut-être de l'aspect grand public plus tard. Voilà. Merci. François-Xavier, la coopérative Bus, c'est une agence d'éco-conception qui associe ingénierie de l'environnement et design industriel. Vous avez pour cela développé une approche systémique de la matière qui est assez particulière. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre approche? Tout à fait. Donc oui, moi je suis l'un des deux fondateurs de MU. On a créé MU avec Anthony Boulle, qui est ingénieur environnement, et moi designer industriel de formation il y a 10 ans, en 2010, avec la volonté de coupler nos deux compétences. Il y aura l'ingénieur environnement qui va faire ce qu'on appelle des analyses de cycle de vie, il va mesurer sur le cycle de vie les impacts du produit et peut être capable de dire d'où ils viennent. Et le designer qui va proposer des solutions pour réduire l'impact. Donc si l'enjeu autour de la matière, effectivement, changer la matière. Mais si l'enjeu environnemental tourne autour de l'utilisation, bah, repenser l'usage du produit, voire redessiner, reconcevoir complètement le produit. Aujourd'hui, on est 13 salariés. Sur les 13 salariés, on est 7 associés, parce qu'on est en SCOP, en coopérative, mais j'en parlerai très probablement tout à l'heure. Si on avait des dogmes chez nous, on dirait pas d'évaluation environnementale s'il n'y a pas un minimum de conception, parce qu'on n'est pas là pour faire des rapports avec des graphiques qui restent dans les tiroirs. Et pas de conception s'il n'y a pas un minimum d'évaluation, parce qu'on n'est pas là pour mettre du bambou partout parce que c'est écolo, parce qu'on sait que ça l'est, mais sur des tout petits périmètres. Un exemple qui est très simple, en tout cas pour rappeler aussi l'enjeu matière dans la démarche d'éco-conception, hein, c'est je peux faire un t-shirt en coton recyclé, super, j'ai divisé par deux l'impact environnemental sur la phase de matière première qui est liée à la matière première de mon t-shirt, mais si la qualité de la fibre n'est pas très bonne et que je divise la durée de vie par 3, d'un point de vue environnemental, j'ai raté. Et puis en plus, quand je fais de l'éco-conception, je regardais vraiment le système produit, donc il faut aussi que je prenne en compte l'eau et le détergent pour le laver, etc. etc. Que dire d'autre? Alors, est-ce qu'il existe des éco... Alors, juste pour renforcer la porte ouverte, voilà. Est-ce qu'il existe des éco-matériaux? Effectivement, alors je donne moins souvent l'exemple du t-shirt que l'exemple du banc pour dire qu'effectivement il n'y a pas d'éco-matériaux. Un matériau n'est écologique qu'en fonction du produit dans lequel on l'utilise.
Et l'exemple qu'on aime bien donner, c'est le banc qui doit rester 50 ans sur la place de la République à Paris. Si on demande à MUD de le faire, on le fera très probablement en béton et en acier, qui sont deux industries plutôt polluantes, plutôt qu'en bambou certifié FSC qui est fait dans un ESAT et qui vient en triporteur électrique et qu'on va devoir changer toutes les 3 heures parce que les skateurs de la place de la République les détruisent. Donc c'est bien avoir une vision systémique, très globale, du cycle de vie du produit qu'il faut avoir en tête quand on fait de l'éco-conception. Et puis je rajoute un petit, parce que tu as tendu aussi la perche sur les deux premières lois de la thermodynamique, ce qu'il faut avoir en tête quand on fait de l'éco-conception, c'est que tout produit est source d'impact. Le produit qui n'a pas d'impact, c'est le produit qui n'existe pas, qui n'a pas été produit. Le produit qui a un impact positif sur l'environnement, c'est effectivement soit du mensonge, soit de la méconnaissance des deux premières lois de la thermodynamique. Alors on peut contenir et capter du carbone, mais à quel coût énergétique à côté? Cette énergie, elle a été produite avec quelles ressources métalliques, etc., etc. Donc ça, c'est aussi un point qui est assez important. Merci de déjouer un peu ces mots qui sont un peu pièges et qu'on entend très, très, peut-être trop souvent. Alors Eugénie, vous êtes le studio d'Emmaüs Design, des studios design d'Emmaüs. Est-ce que vous pouvez revenir sur sa création et les particularités d'un tel studio de design? Moi je m'appelle Eugénie, je suis designer d'objets de formation avec un master en recherche où je me suis plutôt penchée sur les méthodes pédagogiques dans les écoles de design et la manière dont il fallait les réinventer aujourd'hui. Et c'est un peu aussi la première étape qui m'a menée à ça, en fait, sur comment allier pédagogie et design et l'ouvrir au plus de monde possible. Et en fait, j'ai démarré il y a presque 5 ans maintenant avec cette idée de monter mon studio dans une structure d'insertion professionnelle. Et j'ai contacté Emmaüs Alternative à l'époque, qui a accepté d'être un terrain de jeu et d'être maintenant un partenaire. Et plus qu'un partenaire, c'est que les résilientes, c'est vraiment intégré à Emmaüs Alternative. Et c'est un projet qui est au sein de la structure. Et donc aujourd'hui, la spécificité, c'est qu'on travaille avec des personnes qui sont en parcours d'insertion professionnelle. Donc ça veut dire que c'est des contrats qu'on appelle un CDDI. C'est un contrat à durée déterminée d'insertion qui est en partie subventionné par l'État et qui demande aux associations après d'avoir un accompagnement spécifique pour les personnes qui sont intégrées au sein de ces associations. C'est 6 mois renouvelables jusqu'à 2 ans. Et sur un chantier d'insertion, on ne peut pas avoir d'exigence de parcours pour les personnes qui arrivent sur le chantier. Donc nous, dans notre atelier, on a des personnes qui sont couturiers de formation par chance, mais on a aussi des personnes qui ne sont pas du tout des métiers manuels. Et donc là, on va vraiment travailler avec eux pour les inclure dans la dynamique de production d'un objet. Et pourquoi est-ce qu'on a démarré cet atelier? C'est parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment le côté social. Après, le côté environnemental d'utiliser, c'était une certaine logique aussi. Mais le côté social, c'était vraiment de dire dans la création d'un objet, que ça aille de l'idéation à la conception des premiers prototypes à la réalisation en série. En fait, on va déjà reprendre confiance en soi parce qu'on a tous cet effet de « c'est moi qui l'ai fait » quand on fait un gâteau ou quoi que ce soit. Et après, ça aide à développer des compétences qui sont transférables dans d'autres métiers. Donc ça va être le travail en équipe, ce qu'on appelle aujourd'hui les soft skills en fait, qui sont hyper importantes sur le marché du travail, parce qu'aujourd'hui le marché du travail est hyper mouvant, donc on peut plus, les compétences techniques c'est bien, mais finalement les compétences aussi qui sont transversales et transférables dans d'autres métiers, c'est très important. Et donc on travaille vraiment là-dessus avec les salariés, sur le travail en équipe, savoir faire preuve d'exigence, savoir résoudre des problèmes, d'une manière détournée en fait à travers la création, conception d'objets. Oui, justement, c'est autour de cet accompagnement spécifique. Comment, autour du faire, justement, vous allez pouvoir transmettre ces compétences et les amener? Alors, c'est hyper organique. Pour l'instant, on a 3 ans d'activité, donc on commence à formaliser et à faire rentrer, parce que c'est tout ce qui est pédagogique et tout ça, je trouve qu'on peut partir soit du côté théorique pour l'amener sur le terrain, mais souvent c'est catastrophique. Donc il vaut mieux partir du terrain pour arriver vers la théorie. Donc là, au bout de 3 ans d'activité, on va plus dans ce sens-là. Mais sinon, dans l'activité même, c'est à travers des étapes. En fait, une personne qui va arriver sur le chantier, les premières semaines, va apprendre à répéter un produit qu'on a déjà produit.
Donc il y a déjà une période où c'est s'acclimater avec le nouvel espace de travail, avec ses collègues. Et puis la répétition aussi, c'est hyper important. Dans tous les plus grands ateliers des Beaux-Arts, ils apprenaient en copiant. Donc c'est important d'apprendre à partir d'un produit qui est déjà fabriqué. Et après, en fait, petit à petit, on va demander à avoir des propositions d'amélioration de ce produit. Donc la personne va, c'est souvent spontané en fait, dire bah, en fait, dans la conception ou dans, que ce soit dans la manière de fabriquer ou dans le formel, ils proposent des améliorations du produit. Et après, jusqu'à en général pouvoir développer sa propre collection en fait en faisant des propositions. Donc c'est soit quelque chose, on va développer une collection, soit en repérant des gisements de choses qui ne sont pas vendues par Emmaüs parce que c'est pas vendable en l'état, ou on va avoir envie de développer un produit et on va chercher le gisement. Donc c'est soit du produit au gisement, soit du gisement au produit. Mais du coup, c'est un peu comme ça, voilà, que naissent les collections. Mais ça veut dire si au bout d'un moment, tout le monde devient... Vous êtes dans le studio design, vous n'êtes pas forcément la seule à concevoir les produits? Tout le monde les conçoit ou... Non. Alors l'idée, c'est qu'après, moi, j'ai plus un rôle... Donc je suis designer de formation, mais j'ai plus un rôle de direction artistique sur le projet, de dire, bah, tiens, ça, c'est... Ça correspond à l'image des résilientes, ça correspond moins. Et après, un rôle aussi plus de technique, d'arriver à simplifier parfois les méthodes de fabrication ou à créer des outils pour pouvoir mieux faire. Mais non, après, les salariés ne sont pas designers, on ne s'autoproclame pas designer. Et surtout, le but du projet n'est pas non plus de former des futurs créateurs. Donc, ils ne sont pas amenés à intégrer après des studios ou des ateliers de fabrication, et ça c'est très important. On est très clair là-dessus parce que quelqu'un par exemple qui apprend la couture, souvent il commence en CAP, donc c'est des gens qui en fait quand ils ont 30 ans, ils ont déjà presque 15 ans d'expérience. En 2 ans d'accompagnement sur un chantier d'insertion, c'est compliqué d'avoir vraiment suffisamment de bagages pour intégrer un atelier derrière de couture ou de fabrication. Donc l'idée, c'est vraiment après de les intégrer vers d'autres métiers, revenir vers leur métier d'origine ou vers d'autres métiers. Je voulais en profiter pour vous passer encore une question. Vous vous définissez comme un studio de redesign et de sensibilisation par l'esthétique. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous entendez par là? Alors, le redesign, c'est parce que on travaille l'objet banal. On ne travaille pas de la matière souvent, c'est de l'objet qu'on va transformer. Donc, on part de... des choses qui sont reçues par Emmaüs dans les dons, par Emmaüs Alternative, et qui arrivent de manière constante et régulière et en suffisamment grande quantité. Donc, par exemple, il y a les cintres de pressing, parce qu'une personne qui va déposer toutes ses chemises la semaine au pressing, bah, récupère au moins 5 cintres par jour travaillé. Et parfois, les pressings ne les récupèrent pas. Donc, c'est nous qui sommes noyés sous les cintres. Il y a beaucoup de textiles sous forme de vêtements qui partent dans les filières du recyclage, de la benne. Et il y a beaucoup de papier sous forme de livres qu'on reçoit aussi. Donc on va vraiment partir de la matière objet en fait pour la transformer. Donc ça, c'est pour le côté redesign un peu, pourquoi est-ce qu'on utilise ce mot-là en fait. Et après, sur sensibilisation par l'esthétique, c'est parce que souvent, et d'ailleurs je vais présenter le mouvement Emmaüs, tout le monde connaît Emmaüs, mais personne ne sait vraiment ce qu'ils font. Et donc Emmaüs, c'est un mouvement en fait qui est né il y a 70 ans maintenant, qui représente aujourd'hui en France plus de 300 groupes, tous indépendants les uns des autres, qui ont beaucoup de statuts différents. Donc il y a les communautés, beaucoup en région, qui vivent ensemble et dont la vente des dons qu'ils récupèrent permettent à subvenir à la communauté. Ça, c'est des lieux qui sont un accueil inconditionnel, donc tout le monde peut y aller, faire partie de la communauté. Et ensuite, ça a évolué aussi dans les villes, souvent en chantier d'insertion. Donc ça, c'est vraiment des agréments qu'il y a avec l'État et qui accueillent et accompagnent des personnes qui sont éloignées de l'emploi pour un certain temps vers une réinsertion professionnelle. Et on parle d'insertion par l'activité économique, c'est-à-dire que les dons qu'on reçoit permettent à créer une activité qui permette d'insérer des personnes qui sont éloignées. Donc aujourd'hui, quand on dit que Emmaüs est destiné aux pauvres, c'est vrai et faux à la fois. C'est-à-dire qu'on a des produits qui sont accessibles, mais finalement, plus on a de monde qui viennent dépenser de l'argent chez Emmaüs, plus on peut intégrer des personnes, plus on peut accompagner de monde. Donc voilà. Et en fait, l'esthétique de nos produits, on a une boutique et les gens rentrent, ils n'ont aucune idée que c'est Emmaüs souvent, et ça nous permet de les accrocher en disant, mais viens là que je te raconte une histoire. Et donc ça permet de, voilà, de resensibiliser les gens en fait sur les actions. Du
coup, je rebondis parce que vous avez un produit très esthétique également, où on retrouve l'univers de la marque. Et donc, voilà, on a parlé un peu du B2B. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le modèle économique? Déjà, un peu le modèle économique entre B2C, B2B, et comment vous avez fini par trouver votre équilibre? Oui, tout à fait. Alors oui, c'est vrai que le B2B, c'est un peu particulier, mais ça tourne en fait en circuit fermé. On part des entreprises, je vais vous citer Air France, qui est un de nos clients les plus fidèles. Vraiment, on est pionniers, en fait, Bilum, dans la transformation des badges géants publicitaires, et on a commencé un partenariat avec eux en récupérant une de leurs badges de pub. Et après, c'est eux qui nous ont challengés sur d'autres matières, ce qui fait qu'en ce moment total, Bilum transforme plus d'une vingtaine de matières différentes. Je vous ai montré les housses de siège d'avion qu'on transforme pour eux, mais il y a aussi une autre matière qui est un déchet régulier, qui est le gilet de sauvetage, transformé en porte-monnaie, là. et en fait, chaque entreprise nous donne sa matière, nous la confie, on la travaille, on leur propose des idées de modèles et de produits qui s'adaptent à la matière, et nous les rachète automatiquement en sac accessoire. Ce qui leur fait des cadeaux à eux ultra personnalisés à offrir en interne, en externe pour des relations presse, pour des clients un peu VIP, pour des partenaires. Et c'est à chaque fois personnalisé avec le nom de leur marque. Et très important aussi, parce qu'au-delà du sac accessoire, on vend une démarche. Il y a l'histoire à l'intérieur qui raconte le parcours, la démarche, que c'est une matière récupérée d'Air France, etc. Avec un petit... Donc ça, c'est pour le volet B2B. Et est-ce qu'on reconnaît toujours, est-ce que c'est volontaire qu'on reconnaisse toujours le produit d'origine? Pas forcément. Alors là, si je ne vous aurais pas dit Roland Garros, vous ne l'avez pas deviné tout de suite, mais à force, voilà, ça parle quand même. Quoique, il y a des impacts de balles, là, peut-être de Nadal d'ailleurs, qu'on a laissés. vous les voyez. Et puis après, on a des produits qui sont beaucoup plus reconnaissables. Là, on est dans un flacon Guerlain. On récupère en fait les affiches Abribus de Guerlain, qui sont du papier très fin. Et on en fait des petits carnets comme ça pour eux. Mais il y a peut-être un exemple, dernier exemple dans mon sac Marie Poppins que je sors. Ça, c'est un dernier produit qu'on a lancé avec Heineken, pareil, qui nous a challengé sur en fait tout leur pack de bière. Ça, c'est du pack de bière qu'ils ont en surplus. Et on en fait tout simplement des carnets. Des carnets qui sont majoritairement utilisés en interne chez eux. Voilà. Et c'est ma question. Est-ce que ces marques qui vous confient leur matière pour... refaire des produits à partir de leurs déchets. Est-ce qu'ils en ont un usage commercial ou est-ce qu'ils ont aussi, au-delà de la communication interne ou des cadeaux de représentation, un usage commercial? Oui, alors Air France revend une partie de ces produits-là sur leur boutique en ligne pour trouver nos produits là-dessus. On a aussi la Gendarmerie nationale qui vend partie de ces produits au musée, la Gendarmerie. C'est plus rare, mais ça existe, effectivement. Guerlain vendait une partie de ses carnets comme ça aussi en boutique. Ça existe. Alors, Hélène me disait aussi qu'il y avait un équilibre économique qui s'était réalisé sur les gilets de sauvetage par rapport à Air France, où finalement, en fait, c'est une opération économiquement rentable même pour ces marques-là. Tout à fait. En fait, avec Air France, c'est une jolie histoire, un vrai petit exemple d'économie circulaire. Merci de m'en parler. En fait, l'idée, c'est que la revente de cet objet-là leur permet d'égarger une marge. Et ils nous ont dit, on a le droit de le dire, c'est des flux financiers différents, mais la marge qu'ils se font leur permet d'acheter les prochains gilets de sauvetage, en fait. Et du coup, la boucle est vraiment bouclée. C'est ça, puisqu'en fait, normalement, pour reprendre leur gilet, ils sont obligés de payer des frais de recyclage. Des frais de recyclage. Donc, l'économie des frais de recyclage additionnée à la revente du produit, en fait... Tout à fait, leur permet de générer un cercle assez vertueux là-dessus. Et comment ça se passe avec le B2C, oui. Alors le B2C, on a vraiment, Hélène au début a démarré avec le B2C. Comme je vous disais, le secteur n'était peut-être pas encore prêt, les gens peut-être pas assez sensibilisés là-dessus. Là, le B2C, on a une boutique en ligne. Pour l'instant, on peut trouver certains produits sur notre boutique en ligne. Et on a exposé au printemps des années à Beaubourg, on était à Isetan à Tokyo dans des belles boutiques. On est en train de réfléchir à justement reconquérir les concept stores, réfléchir à une vraie identité grand public. On récupère principalement en fait des bâches d'entreprises qui veulent simplement les donner. Et on choisit les plus beaux endroits coloris et on en fait des sacs accessoires comme le sac derrière, vous ne reconnaissez pas la marque du tout. Voilà, on a ces produits-là. Et puis après, on a des partenariats avec, par exemple, des badges d'exposition de Astérix et Obélix. On a récupéré ces belles cases de BD, donc c'était assez rigolo et on vend ces produits-là. On a récupéré aussi Montgolfière. Un jour, on m'appelle,
fait, j'ai entendu parler de vous, j'avais une montgolfière à ajouter. Est-ce que vous la voulez? Bah oui, pourquoi pas. Et j'ai un produit là, si vous voulez encore, je vous montre le dernier petit produit en montgolfière. C'est un sac sans fil. Je crois que ouais, c'est le dernier. En tout cas, c'est toujours parlant de montrer avec des produits. Voilà, c'est de la toile de montgolfière. Donc ça, on le vend aussi sur notre boutique. Et une dernière matière, peut-être qu'on transforme, c'est les toiles de la Technoparade, par exemple, qui nous ont confié aussi leur toile. Et on vend ces produits sur notre boutique. Voilà. Alors, je reviendrai après sur le savoir-faire et un peu les particularités de votre organisation. Je voulais du coup repartir un peu sur les conceptions et parler autour d'un outil. Bon, alors, vous avez tous entendu parler de l'analyse de cycle de vie des produits. Alors aujourd'hui, c'est devenu l'outil phare de quantification des impacts de la matière. Ça peut faire polémique. Je ne sais pas quel est votre avis. Quel est mon avis? Alors, l'outil d'analyse de cycle de vie. Donc ouais, enfin voilà. Donc nous, la moitié de l'équipe, hein, c'est des ingénieurs environnement, donc ils font des ACV. L'autre moitié, c'est des designers industriels. Effectivement, il y a polémique. En tout cas, ça reste un outil de quantification des impacts environnementaux. Vous pouvez juste expliquer peut-être de manière vraiment très simple. Si je fais l'analyse environnementale, l'ACV d'un jean, il va falloir que je regarde le cycle de vie d'abord. Il y a plusieurs principes quand je fais une analyse de cycle de vie. Donc déjà, le premier principe qui est le cycle de vie, extraction des matières premières, fabrication, distribution, vente, utilisation, fin de vie. Ensuite, je vais regarder le système produit, c'est tout ce qui va rentrer dans mon cycle de vie pour que le jean arrive jusqu'à mes mains. C'est-à-dire que si le jean est vendu avec un cintre, il faut que je prenne en compte l'impact environnemental du cintre. S'il est vendu avec un sac, il faut que je prenne en compte l'impact environnemental du sac. Et comme je disais tout à l'heure pour le t-shirt, si je ne suis pas trop crade, il va falloir que je lave mon jean, donc que je consomme un peu d'eau, un peu de détergent, il faudra que je prenne en compte cet impact environnemental-là. Donc ça, c'est le deuxième principe, le système produit. Le troisième principe, c'est la notion de multicritère. C'est-à-dire que si je veux faire de l'éco-conception, je ne vais jamais regarder juste le CO2. Parce qu'en fait, il y a plein d'autres impacts. Et peut-être que l'impact le plus important à réduire sur mon jean, ce n'est pas le CO2, mais c'est la consommation d'eau. Et pour info, un jean, c'est 15 000 litres d'eau sur son cycle de vie. Donc voilà, c'est les trois grands principes quand on veut faire de l'éco-conception. Et puis un quatrième qui se superpose quand on veut améliorer un produit, c'est le côté fonctionnalité, l'unité fonctionnelle. C'est-à-dire que je ne vais jamais comparer un stylo bille et un stylo plume, mais bien une fonction qui va être écrire un kilomètre. Mais il va me falloir 17,8 stylo bille et puis un stylo plume et 43,8 cartouches. Voilà les trois notions plus une qui sont un peu les grands principes de l'analyse de cycle de vie et puis qui découle de la démarche d'éco-conception. Et donc on est capable avec ces outils de mesurer les quantités de CO2 équivalents, les quantités de PO4 équivalents. Alors là j'apprends vraiment des trucs, mais, et puis moi en plus je suis pas assez véiste, donc mais en tout cas on est capable de mesurer les impacts et de les quantifier. Polémique. Pas votre avis, est-ce que c'est fiable? Alors, parce qu'aujourd'hui, en fait, tout le monde dit, oui, mais il faut que tu fasses une ACV. Alors, en tout cas, sur ton produit. Ouais, en tout cas, quoi qu'il arrive, l'ACV, ça reste un outil. Et un outil, on peut tout faire avec un outil, avec un marteau, je peux faire du Michel-Ange, je peux taper sur la tête de mon voisin. Il faut vraiment avoir ça en tête. Effectivement, moi, ce qui m'intéresse, je détourne un peu la question pour simplifier un peu le truc, mais quand je vais donner des cours dans des écoles de design et que je leur parle d'ACV, évidemment, c'est pas leur boulot de faire des ACV, c'est un métier à part. Par contre, moi, ce que je leur dis, c'est soyez hyper critiques, c'est-à-dire si vous n'êtes pas dans la capacité de faire une ACV, c'est pas très grave, allez geeker sur le net, essayez de trouver des ACV qui existent, et puis surtout... soyez très méfiant par rapport à ça. C'est le premier truc, c'est-à-dire quand est-ce que ça a été fait, où ça a été fait. Parce qu'une ACV qui est faite en 2012 au Québec, les résultats ne sont pas transposables en 2020 au Québec, encore moins en France en 2020. Qui l'a fait et quel est l'intérêt des résultats? Enfin, en tout cas, est-ce que les résultats vont dans le sens de la personne qui l'a faite? Voilà, en tout cas,
d'avoir un regard très critique, parce qu'avec une ACV, on peut faire tout, enfin, on peut faire dire tout et son inverse sans trop de soucis. En tout cas, c'est un gros boulot chez Nu à ce qu'un designer soit pas capable de faire une ACV. On demande pas au designer de faire, mais par contre, d'être assez critique, de comprendre à peu près comment ça fonctionne pour être capable de challenger quelqu'un qui fait une ACV chez Nu. Et après, voilà, encore une fois, ça reste un outil. C'est celui qui est le plus abouti à date, en tout cas pour mesurer les impacts. Voilà, il n'est pas idéal, il ne représente pas, et ça c'est un truc aussi, hein, c'est pas une représentation de la réalité, quoi. C'est une représentation de la réalité, mais c'est pas la réalité. Et voilà, il faut le prendre avec ses limites et puis l'utiliser comme ça, quoi. Je dis ça parce que ça me fait, moi ça me faisait penser un petit peu dans le secteur du bâtiment, au moment où on a introduit la réglementation thermique des bâtiments, donc la RT 2005, la RT 2012, la RT 2020, et à chaque fois, on construit un moteur de calcul, et ce moteur de calcul est construit en fonction d'un certain nombre de paramètres, et ces formules, elles sont réalisées par un certain nombre de groupes de travail qui réunissent des organismes institutionnels et des lobbies professionnels, et qui vont tous faire en sorte que la variable dans le logiciel soit favorable à leur intérêt. Et on en arrive au fait qu'aujourd'hui, même quand on en parlait ce matin un petit peu avec Auré, ça reste, même si ça n'est qu'un outil, ça reste quand même un instrument de mesure, en fait, qui est peut-être un des seuls sur lequel, en fait, on a un retour sur l'impact environnemental des éléments. Et donc, tout le monde a un peu tendance à regarder ça un peu comme une étiquette certifiante et de qualité qui permet d'évaluer si c'est bien ou c'est pas bien. Ouais, et ça, c'est un point. Il y a une question, est-ce qu'on prend les questions? Oui, bien sûr. Allez, on les tient. On vous tient le micro. Pour appuyer le point, parce que dans ce que tu dis, en fait, il y a vraiment deux facettes de l'ACV. Donc déjà, il y a l'ACV hein, qui est quelque chose, qui est une démarche qui est normée. Et puis, j'entends un peu parler aussi d'affichage environnemental dans ce que tu dis. Et donc, effectivement, l'affichage environnemental, c'est avec des groupes de travail, des experts, des industriels, des FED, et où, effectivement, le but, il est peut-être de mettre les paramètres qui arrangent le plus la FED. Mais là, on est vraiment dans une démarche d'affichage environnemental et qui n'est pas de l'ACV. Enfin, c'est une façon un peu dégradée de faire de l'ACV pour afficher un impact environnemental. Ce qu'il faut avoir en tête quand on fait de l'éco-conception, parce qu'encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, en tout cas chez nous, notre but, ce n'est pas de produire des rapports avec des graphiques et puis de dire « salut, à la prochaine », mais bien d'utiliser ces choses-là pour réduire l'impact. Et nous, l'ACV, on l'utilise vraiment pour mesurer du potentiel, hein, une différence de potentiel. On revient en cours de physique de quatrième, on mesure une différence de potentiel et pas une intensité. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de me mesurer au départ, savoir où sont mes impacts, faire mes actions et puis continuer à mesurer pour m'assurer que je suis dans la bonne zone et puis à la fin de mesurer que je suis bien plus faible que l'autre. Si je prends l'image de la photographie, c'est un selfie que je prends, j'ai un certain teint, il y a une certaine luminosité, un certain fond, j'utilise mes réglages, je prends la photo pour savoir où sont mes impacts, je passe dans le temps, je reprends la photo et je vois le différentiel. Et en aucun cas, ça va être, je vais utiliser mes références et mes critères pour faire une photo de Karine et puis me comparer à elle. En tout cas, quand on fait de l'éco-conception, on n'utilise pas la CV pour se comparer à un concurrent. C'est vraiment de l'amélioration continue, mais c'est d'être moins impactant qu'hier.
Est-ce qu'on fait des ACV pour... Ce qui est énorme, vous accompagnez, je crois que vous accompagnez énormément de jeunes entrepreneurs, notamment vous avez un programme d'incubation qui s'appelle Mucelium, qui vient de se terminer. Et du coup, alors, double question, pour nous présenter un peu Mucelium et savoir, est-ce qu'on peut appliquer des ACV sur des jeunes projets comme ça qui démarrent sur le... Et parce que c'est ce qui va leur permettre de prouver aussi, peut-être de lever des fonds par ailleurs, etc. Comment... Alors, est-ce que je rentre un peu dans le détail dans le truc ? En fait, il y a un truc qu'on appelle le paradoxe de l'éco-concepteur. C'est-à-dire qu'on dit que 80% des impacts d'un produit sont dans les phases amont de conception. C'est-à-dire que si je décide de faire un sac en cuir, j'ai déjà généré l'impact environnemental du cuir. Quand je dessine la forme, je génère de la chute. Quand je fais les petits frilili métalliques, je génère de l'impact sur les ressources métalliques, etc. etc. Plus je suis en aval, c'est là où je vais pouvoir, en tout cas dans les phases amont, je vais pouvoir le plus changer les impacts de mon produit. Mais en même temps, c'est bien dans ces phases amont où je sais le moins quel va être mon fournisseur, quelle va être ma logistique, quel va être mon emballage, etc., etc. Plus je suis en aval, plus ça va être clair. Je vais savoir quels sont mes fournisseurs, mais en même temps, on l'a dit, on va toucher qu'à 20% de l'impact. Donc il y a un vrai paradoxe qu'on appelle le paradoxe de l'éco-concepteur. Et que nous, on traite chez MU en, si je reprends encore l'image de la photographie, on va faire une photographie au départ floue. On sait que c'est flou parce qu'on va émettre des hypothèses. On ne va pas voir les bons réglages, mais cette image floue va nous donner des taches de lumière et de couleur qui vont commencer à nous orienter. Et puis plus on va avancer, plus on va affiner les réglages pour nous aider dans la conception du produit. Donc quand on a des entrepreneurs mais qui ont déjà une structure, effectivement, on est capable de travailler comme ça en mode projet, un peu... qui est le cœur de notre métier. Mais effectivement, on a aussi des entrepreneurs qui viennent, qui n'ont pas de statut, qui n'ont rien, et qui veulent qu'on les aide. Alors, soit nous, on les fait payer comme si c'était une entreprise, et en réalité, on les assassine. Soit nous, on travaille pro bono, et en fait, on se fait raquirer. Dans les deux cas, ça dure, mais pas très longtemps. Et ça a été un vrai point de départ de ce programme d'incubation, de se dire comment on fait pour aider ces entrepreneurs le plus en amont possible. Et donc, on a développé, on a été soutenu par l'ADEME Île-de-France, avec tout un réseau d'incubateurs, dont les canaux qui est partenaire. Alors, je ne les ai pas tous en tête, moi je ne suis pas très bon pour ça, mais il y avait Paris Senco, il y a La Ruche, ACD, quelques-uns, et avec qui on a travaillé, justement pour nous aider sur la partie entrepreneuriat, parce qu'on n'est pas, une boîte d'entrepreneurs, on n'est pas là pour aider les entrepreneurs en soi, et puis pour monter ce programme d'incubation, qui permet d'intégrer l'environnement le plus simplement possible, sans tomber dans de la CV, ou en tout cas en faisant part de nos expertises. Et donc on a monté une petite méthodo qui va être en open source, quand on aura fini de faire tous les comptes rendus et les machins. Et le but étant que cette méthodo puisse se déployer sur d'autres territoires, avec d'autres réseaux, sachant que la méthodo, nous on l'a mise en place avec du mentorat, donc avec des gens de chez MU qui suivaient les incubés. Donc effectivement, c'est venu un peu de ce problème, de ce paradoxe. Comment je fais pour aider le plus en amont possible quand je n'ai pas tous les moyens ? Ok. Alors, je voudrais... je pose encore une ou deux questions. Après, je vous ouvre pour ceux qui veulent revenir sur les différents points. Je voudrais m'attacher en fait à la question des savoir-faire et en fait de comment vous créez une valeur immatérielle qui est propre à vos savoir-faire particuliers et comment vous envisagez ces savoir-faire et comment est-ce que vous voulez changer d'échelle dans vos pratiques, je pose la question. Est-ce que l'idée c'est d'avoir je sais pas, c'est quoi dans 5 ans, il y a 10 studios comme ça et parce qu'on utilise les méthodes, est-ce que c'est un grand atelier, il y a plein de questions. On parlait d'entrepreneuriat et d'entrepreneuriat à un certain moment tout le monde se penche au-dessus de notre berceau en disant alors c'est quoi le scaling up? Et alors ce mot de scale up, c'est hyper intéressant parce qu'il y a différents choix. Voilà, il y a soit de devenir un atelier où il y a 50 personnes, soit de devenir 50 ateliers où il y a 10 personnes. Et c'est des questions qui sont hyper intéressantes. Pour l'instant, sur les résilientes, on va grossir. On ne va pas devenir 50 personnes, mais on passe une échelle déjà cette année où on va devenir 20 personnes.
Et après, l'idée, ce serait plus de pouvoir permettre à d'autres, en fait, de faire que les résilientes puissent être développées un peu partout, à Dijon, ou de créer une méthodologie, en fait, dont d'autres personnes pourraient s'en servir et pouvoir développer d'autres ateliers ailleurs sur les mêmes principes et avec la même philosophie et la même méthodologie. Et c'est vrai que pour l'instant, c'est encore flou. Et cette méthodologie, est-ce que ce serait quelque chose qui serait open source? Comment... Bah après, ça, c'est quelque chose, voilà, c'est vraiment le début des réflexions. Parce que c'est un peu le cœur de votre travail, sur quelque chose que vous avez initié, que vous avez construit. Exactement. Après, il y a... c'est très, très flou encore. Je pense que l'open source, c'est compliqué parce que pour moi, je suis vraiment revendicatrice que le design, c'est un métier. Que pour moi, quelqu'un d'autre qui veuille monter un atelier comme les résilientes, je crois vraiment en la capacité des designers à penser ces projets-là et à penser dans la globalité et à savoir s'entourer. C'est une vraie capacité de savoir s'entourer quand on est designer. Et du coup, l'open source ferait que beaucoup de gens pourraient s'autoproclamer et lancer un atelier comme celui-là. Donc ça, j'aimerais plus essayer de pouvoir cadrer un peu ça. Et après, pour l'instant, j'ai vraiment aucune idée. Déjà, il faut voir comment est-ce qu'on théorise ce qui s'est passé pendant 3 ans et qu'est-ce qu'on enseigne, en fait. Est-ce qu'on enseigne comment trouver un modèle économique, comment faire un business plan, ou est-ce qu'on enseigne comment accompagner des personnes qui ne sont pas forcément designers dans la conception d'un produit, dans la sérialisation. Donc, il y a tellement de choses à voir que ça dépend. Il faut trouver l'essence même des résilientes. Et quand on est très dedans, parfois, on a du mal à la retrouver. Et d'enseigner à des designers, puisque je crois que c'était aussi un peu de votre projet, de dire sur la pédagogie du design pour les designers. Oui, complètement. Pour l'instant, moi, comme je le verrais, ce serait de l'incubation ou un programme où les gens viendraient pendant 3 mois et évoluer et échanger et je pourrais un peu partager ce qui s'est passé avec un peu plus de contenu et tout ça complètement mais on verra quand il y a du temps c'est pas tout de suite. Ok. Notre business model, en gros, c'est que nous, on est intégrés à Emmaüs. Donc, moi, je suis salariée d'Emmaüs Alternative. Sur le papier, je suis chef de projet des résilientes. Et ensuite, toute mon équipe est salariée d'Emmaüs Alternative aussi. Après, on a notre propre équilibre, c'est-à-dire qu'on a commencé l'atelier en ayant une subvention. Donc, on a fait appel à un organisme extérieur pour pouvoir démarrer mon poste. Et après, au fur et à mesure des années, on a cherché et on commence à avoir trouvé notre modèle économique et qui va dans le B2C avec une vente en boutique. On a une boutique dans le 2e arrondissement et donc une grosse partie B2C, mais on a une boutique pour l'instant et pas de vente en ligne. On espère que ça viendra. Et avec aussi tout un produit atelier aussi de sensibilisation. Et après, on a la partie B2B aussi où il y a beaucoup d'ateliers pour les entreprises. Que ce soit pour des team building ou pour de la sensibilisation, mais qui reste autour de l'upcycling très, très light encore. Et après, pour le B2B, on a un peu le même fonctionnement que pour Bilhomme. On va accompagner des entreprises sur la valorisation de leurs invendus, invendables, récupérer leurs choses et leur revendre à eux. Ou sinon, on fait aussi toute une partie décoration et aménagement d'intérieur, parce qu'on est spécialisé textile, mais on textile et papier, mais on va quand même vers des petits produits qui peuvent faire de l'aménagement. Et donc, on a des commandes. Et là, on a notamment une grosse commande qui nous fait grossir pour aménager des espaces un peu partout en France. Question aussi pour vous par rapport à ces savoir-faire spécifiques. Alors, entre... donc, vous avez... Parce que vous avez un écosystème où vous avez une équipe de salariés, oui. Un réseau de partenaires... Tout à fait, ouais. Je crois que vous conservez la conception, mais voilà vos savoir-faire aussi. Et vous, comment vous, c'est quoi le modèle de croissance de Bilhomme? Ouais, ouais.
De croissance, peut-être pas. Oui. Changement d'échelle, d'augmentation des impacts environnementaux, sociaux. Enfin, comment vous vous projetez? Alors nous, c'est ce qui est sûr chez nous, ça restera toujours chez Billium dans nos locaux. La matière, elle est vraiment travaillée par nous. On la découpe à la main, on choisit les morceaux les plus visuels. On écarte ceux qui sont abîmés parce qu'on récupère toujours de la matière qui a une première vie. On a un petit atelier en fait en interne de prototypage et de confection qu'on a vocation à faire grandir et s'autonomiser aussi en interne. Mais on tient vraiment à garder nos partenariats avec des ateliers de confection ESAT parce que c'est cher à Billium et à la fondatrice de garder ces partenaires qu'elle a mis des années à trouver. Et c'est des très jolis ateliers de confection en maroquinerie, en couture et en papeterie. Mais la croissance, finalement, de Billium fait qu'on a aussi besoin d'agrandir notre capacité de production, parce qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui ont envie de travailler sur ces sujets-là d'upcycling. Et à la fois, on a envie de se rapprocher de Paris, en fait, et d'avoir des locaux plus grands, aussi pour se rapprocher peut-être du grand public. Et ça, c'est des projets qui sont en nébuleuse un peu, je ne peux pas trop vous en parler, mais on aimerait lancer une levée de fonds, en fait, bientôt. Pour se diversifier en fait. Voilà un petit peu. Et alors, par exemple, quelle est la part du travail, comment se répartit la part du travail entre ce que vous faites en atelier et ce que vous faites chez vous et ce que vous faites dans les ateliers? Par exemple, j'imagine on reçoit plein de bâches, c'est vous qui allez choisir chacun des éléments, tout à fait, ouais. Les repérer, enfin, tout à fait, ouais. Quelle est la part laissée entre les ESAT et vous? Alors, il y a une première découpe à la main dans l'atelier, au cutter. Sur l'ensemble des productions. Sur l'ensemble des productions, toujours. Qui ensuite, après, ces morceaux sont coupés par une presse, mais c'est encore une machine et c'est à la main, on presse pour avoir des formats très précis sur les emporte-pièces. Et c'est lavé aussi chez nous, mais là, on fait intervenir du personnel en insertion. On travaille avec une agence d'insertion sociale et c'est des personnes qui viennent une à deux jours, trois jours par semaine, ça dépend des productions. Qui viennent nous aider sur cette partie nettoyage à la main, des bâches, à la lessive verte, voilà. Et en fait, après, toute la partie confection, elle se fait souvent avec des ateliers partenaires. On a 7 ateliers partenaires, 4 sont des ateliers ESAT, et 6 sur les 7 sont des ateliers qui sont en région parisienne, donc on a vraiment souvent des circuits très très courts. Voilà. Mais cette partie confection, on a vocation à la garder avec, justement, je vous disais, des partenaires, surtout des ateliers ESAT, et puis à s'autonomiser aussi en nous en interne pour répondre à la demande. Donc, est-ce qu'on aura un Billium Marseille, comme on a un Billium Bordeaux? Oui, alors, a priori, là, tout de suite, je ne crois pas que ce soit dans les plans tout de suite. Mais pourquoi pas, on garde le champ ouvert. Okay. François, vous avez dit, alors, je vous posais une question, mais un peu différente, parce que vous avez, ce qui est très intéressant, c'est que vous avez fait le choix d'être une SCOP. Oui. Et donc on a parlé de l'éco-conception et donc des préoccupations environnementales, mais je crois que c'est une partie du projet de MU. Voilà, est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur l'autre partie et comment ça conditionne aussi votre vision de l'entreprise et de son évolution? Avec très très grand plaisir, effectivement, c'est cool que tu retournes la perche, que je saisis avec plaisir. Donc on est une SCOP. Je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent le statut. Est-ce que vous pouvez lever la main juste pour avoir une idée un petit peu? Ouais, quand même. Ouais. Donc SCOP, c'est Société Coopérative Ouvrière de Production. Alors il y a de moins en moins d'ouvriers, donc maintenant c'est Société Coopérative et Participative. Nous, on est en SARL SCOP, donc on est une SARL avec trois grands principes qui font partie des principes coopératifs, qui sont l'entreprise appartient à ses salariés, c'est-à-dire majoritairement en termes de voix et de capital, l'entreprise appartient aux salariés. Contrôle démocratique, une personne, une voix, peu importe le capital détenu, j'ai une part, un associé en a 100 fois plus, sa voix vaut autant que la mienne, elle vaut pas 100 fois plus que la mienne, et puis une plus juste répartition des bénéfices, c'est-à-dire qu'on est limité par nos statuts à reverser maximum 33% aux actionnaires, minimum 25% aux salariés, minimum 16,5% remis au pot en réserve dans la boîte. Nous, historiquement, on a fait 50-50, 50 salariés, 50 remis en réserve, et puis on a inventé plein de pratiques. Sur la répartition des euros, parce qu'effectivement, enfin, il y a un vrai enjeu. En tout cas, nous, on est parti avec ce truc-là de voilà, qu'est-ce que l'entreprise, en fait. Et en fait, si je résume un peu avec Anthony, donc on était deux au départ, donc une coopérative à deux, c'est bien, mais bon, ça reste assez limité. Et en fait, on s'est vraiment dit, en fait, on construit un outil qui va
nous permettre de passer du temps et de mettre des compétences et qui va sortir des euros. Et puis se dire, bah, petit à petit, on veut que d'autres salariés puissent s'emparer de cet outil, qu'ils viennent le tuner, qu'ils viennent ajouter des trucs et que ça devienne un outil commun. C'est vraiment ça l'objet de la coopérative. Et donc aujourd'hui, on est 13 salariés. Sur les 13 salariés, on est 7 associés. Et, ça, et on retombe hein, exactement sur ce truc, alors, monsieur, enfin, la start-up nation, de scale-up, de machin. Nous, c'est clair que ça ne marche pas, quoi. C'est-à-dire que le modèle de start-up où je travaille dans mon garage et que je mange des cailloux pendant 3 ans et je lève 1 million d'euros et je passe de 3 à 30 comme ça, parce que nous, on l'a vu en étant en pépinière avec des gens qui faisaient des trucs sur le numérique, qu'on se truc-là, nous, personne ne veut investir chez nous, sachant qu'ils n'auront jamais le manche, que la boîte appartient à ses salariés. Et je fais le lien aussi avec quand tu parles de savoir-faire et de trucs, bah, c'est ça notre savoir-faire. Nous, on a acquis des compétences, et c'est notre outil de travail à nous. Hein. Et effectivement, il va être difficilement délocalisable, on va difficilement nous prendre. Et donc, en tout cas, c'est un sujet qui est très, très cœur dans notre manière de fonctionner. Après, je pourrais en parler encore beaucoup plus, mais peut-être pour... non, mais non. Ça m'intéressait, ça veut dire que Mu, vous avez imaginé une taille... Ah oui, c'est ça, c'était exactement ça. Oui, effectivement, quel est l'avenir, quel est le... Et en fait, on est en plein questionnement, parce qu'en fait, on a même dépassé l'idéal qu'on avait écrit dans le business plan. Dans le business plan qu'on avait il y a 10 ans, on s'était dit, ouais, on est entre 9 et 11 pour être un père, parce que c'est une personne, une voix. Et puis si on est plus gros, bah, on coupe la coopérative en deux, soit par compétence, soit par appétence géographique. Et effectivement, là, on est à 13 salariés, 7 associés, et on commence à se poser la question. Enfin, on commence à se la poser, c'est pas vraiment ça. Travaille la question. Je vais laisser ça nébuleux un peu comme Karine, mais effectivement, c'est des choses qui nous titillent. Et voilà, et on veut continuer à voir l'avance qu'on avait il y a 10 ans, et on est en plein dedans. Est-ce que ces questions de gouvernance, elles font écho aussi à vos structures dans la manière dont soit les salariés sont inclus dans le projet, soit comment peut-être les utilisateurs finaux sont inclus, ou les entreprises, je ne sais plus, est-ce que... Bah nous, c'est plutôt classique parce qu'on a vraiment un chantier d'insertion. Du coup, la gouvernance, moi, je n'ai pas forcément la main dessus. On a un système qui est... plutôt hiérarchisé aussi. Après, au niveau de l'équipe des résilientes, on essaie d'être le plus horizontal possible, mais l'horizontalité a ses limites aussi, au final. Et parfois, il faut prendre des décisions, et du coup, on reste sur des schémas qui, parfois, peuvent être vus comme classiques. En tout cas, nous, je sais que, pareil, schéma quand même classique avec la fondatrice qui a créé cette boîte il y a 15 ans, et on est une toute petite équipe, mais je crois qu'on est tous ensemble mis dans le même bateau. Je sais que la fondatrice souvent nous soumet à des votes et à des choix, et des fois elle s'en mord les doigts parce que c'est contre son premier choix, mais voilà, elle accepte et elle écoute beaucoup. Donc on fait beaucoup de la co-construction en équipe, tout le monde a son mot à dire, et voilà, donc ça marche plutôt bien. Okay. Je peux rajouter un petit point là sur la gouvernance, parce que typiquement, donc je vous disais, enfin, une scope à deux, ça n'a pas vraiment de sens, et on a vraiment... on est vraiment devenu une coopérative, mais pas dans la tête, pas dans les statuts, mais vraiment dans nos êtres, à partir du moment où on a eu notre quatrième associé, qui était une salariée. En fait, on s'est retrouvés les deux fondateurs, plus le premier associé qui se sentait il n'était pas fondateur, donc même si c'était une voix, il n'était pas fondateur. Et puis à partir du moment où on a eu la quatrième qui est passée associée, ça a commencé à bouger. Et puis on continue, et c'est un vrai travail, en fait. C'est hyper sensible, c'est vraiment de l'humain. Et on peut avoir les statuts, on peut avoir des statuts, ce qui peut être le pire des salauds du monde. Hein. Et que cette gouvernance partagée. Alors nous, on se fait former par l'Université du Nîmes, qui sont des gars, enfin qui sont des gens super bien, qui est la scope qui vient de l'Université du Nîmes, qui nous ont formés sur la prise de décision par consentement, ce genre de choses, qui est un vrai sujet. Et puis il y a un truc à savoir, là, quand on parle d'horizontalité et tout, c'est que, en fait, le pouvoir, ça se donne pas, en fait, c'est les gens qui doivent le prendre. Nous, on a toujours été, mais regarde, prenez-le, le pouvoir, il est là. Et non, en fait, c'est difficile, justement, d'arriver à laisser les gens le prendre, en fait. Exactement. Et il y a un... Non, pas à laisser, mais à les...
leur faire, les faire éduquer prendre le pouvoir. Pour qu'ils comprennent qu'en fait, les gens sont trop peu de temps avec nous. Ouais. En tout cas, c'est un vrai sujet humain et hyper. Enfin, moi j'adore. C'est une vraie c'est école. Un vrai travail, ouais, c'est un vrai travail. Et puis c'est la vie en fait. Enfin, il n'y a pas beaucoup d'endroits où on est en communauté et puis on est ensemble. Il y a la famille, on ne la choisit pas. Les potes, on les choisit quand on veut. À l'entreprise, voilà, on est obligé d'être là tout le temps et puis de gérer les bons côtés, les mauvais côtés. Enfin, c'est un joli terrain d'expérimentation humain. J'ai une dernière question, après je vous. Enfin, Trine vous tendra le micro plutôt. D'ailleurs, c'est pas une question. C'est juste trois mots et. Alors, je sais pas comment je l'ai formulé, mais. En tout cas, moi ce que j'observe, c'est une espèce de. Dans quoi on met la créativité en disant que là, le ressort par rapport à tous les enjeux qu'on essaie d'affronter, aux défis de société, etc. On sent qu'on est dans un monde où on a énormément besoin de créativité et qu'en même temps, cette créativité, l'urgence, là, on le prend pour du fait d'un phénomène environnemental, d'une grande vague qui arrive sur nous. Et en même temps, elle est indissociable de notre façon de coopérer, de travailler les uns avec les autres et de notre relation à l'autre et au social. Et donc, il est en train de, selon mon pressentiment, il y a une espèce de conjonction entre créativité sociale et environnementale. Et je voulais savoir, est-ce que ça fait un écho? Est-ce que vous pourriez m'aider à trouver une espèce de formule ou de manière de dire ce que j'arrive pas à dire? On a trouvé une formule, chez Vilaine Dubot qui a du sens. Je sais pas si ça fait un peu écho, mais c'est un peu, je pense, quand tu disais pour les résilients, les gens dans le magasin ne savent même pas que c'est Emmaüs. C'est super parce que grâce à ça, en fait, on les attire par le beau et par la création, l'originalité. Et grâce à ça, on fait passer de super messages. Et nous, on essaye qu'avant tout, nos produits ne fassent pas récup et dans le mauvais sens de récup qui est cliché, pas joli cliché. Mais que d'abord, ça donne envie, on a envie d'avoir l'objet et qu'après. On se rend compte toute la démarche qu'il y a derrière et c'est comme ça, je pense, qu'on fait évoluer les consciences, mais petit à petit. Voilà. Et moi, ça me parle énormément ce que tu dis, parce que effectivement, on est dans un moment qui est pas ouf. Et alors, on peut continuer à se dire, en fait, il faut continuer à courir parce que c'est le vélo, quoi. Il faut continuer à pédaler, sinon ça va tomber, quoi. Peut-être pas. Peut-être que ça se re-questionne. Peut-être que ça se re-questionne en regardant le passé. Moi, j'adore parce que là, tu l'as là, paléo-énergétique, et qu'on fait un bouquin qui s'appelle Rétro-Futur, qui est juste génial, qui est de dire, en fait, on va regarder les technos qui ont été mis de côté. Et puis, peut-être qu'il y a des trucs, en fait, qui étaient trop bien, et puis on n'a pas fait ce choix-là, parce que culturellement, à cette époque-là, on n'avait pas fait. Comme l'ESCOP, qui est un truc qui existe depuis super longtemps. Les premières SCOP, c'est les pionniers de Rochdale, 1840, un truc comme ça. Donc c'est des trucs qui sont là depuis hyper longtemps et qu'on oublie en fait. Et moi je pense qu'il y a un vrai. Il y a peut-être, enfin voilà, peut-être qu'après c'est peut-être le moment de se dire on se pose, on regarde dans le rétro, on regarde la carte, on regarde où on est et puis on se repositionne quoi. Et puis il y a des trucs bien qui sont passés, les oublions pas quoi. Enfin, soyons pas juste focalisés sur la route. Merci. Donc moi, c'est drôle, vous avez du beau qui fait sens, c'est ça, qui a du sens, et nous c'est du beau qui fait du bien. Bravo. C'est une question intéressante. Moi, souvent, les gens demandent la définition du design qui est très compliquée à définir. Et j'aime bien parler d'harmonie. On parle d'harmonie dans la forme, mais aussi d'harmonie dans la production, en fait, et de dire que. De retrouver une harmonie dans des choses qui font sens en fait les unes avec les autres et de recliquer le système un peu pour qu'il y ait un découpement harmonieux, ben c'est peut-être là-dedans en fait aussi, dans la recherche de l'harmonie, mais radicale. Merci. Alors est-ce que parmi nos gens qui sont physiquement présents et distanciellement présents, est-ce qu'il y a des questions? Je crois que là-bas, Valentine. Est-ce qu'il y a des synergies sur lesquelles vous pensez?
des synergies. J'ai pas entendu la question. Est-ce que on va pouvoir faire des trucs tous ensemble? Oui. Autour de la circula. Oui. Ah, oui, d'accord. Merci. Je crois qu'on a tous des compétences qui peuvent être dans le design. On a peut-être la. Puis moi, je connais matières. Très bien Hélène. Donc ben, c'est dommage que ça soit. Je connais Hélène aussi. Donc en fait, c'est. Voilà. Oui, je crois que c'est un petit peu. C'est des milieux où finalement tout le monde se connaît déjà. Donc il y a toujours. C'est les opportunités qui amènent la collaboration. Ah. Donc, ça arrivera. Alors moi, bah, du coup, je peux vous proposer quelque chose. On fait une formation sur le design circulaire qui va reprendre, qu'on a fait une première promotion, dont une partie est exposée là et une partie des apprenants, ex-apprenants des alumni maintenant, sont ici également. Et je vous remercie pour tout le travail qu'ils ont accompli et toujours leur présence. Donc on va reprendre la formation. On collabore déjà avec MU dans cette formation, aussi avec Arnaud qui est là. Mais donc du coup, on a déjà essayé de trouver en fait sur cette question en fait des savoir-faire complémentaires. C'est pour ça que je posais la question des savoir-faire. Comment on pouvait accompagner. Et puis ce matin, je rediscutais avec le parc de la Villette, qui a aussi, on va dire. A besoin de ce. A besoin, voilà, on va travailler pour. On a une mission pour réinventer ce que serait l'imaginaire low-tech d'une institution culturelle. Trop bien. Trop bien. C'est passionnant comme sujet. Ouais, donc, voilà, donc. Et je me dis que pour réfléchir à un sujet comme ça, ouais. Bah, on pourrait tout à fait. Là, j'ai une bonne partie du panel avec qui on pourrait réfléchir et essayer de prototyper quelque chose. Donc, voilà. Merci. Ma question, c'est comment est-ce que vous gérez ça? Enfin, est-ce que c'est fait de manière complètement naïve ou est-ce que cet élément-là a été pris en compte? Est-ce qu'il y a eu des analyses faites que, en fait, au final, la sensibilisation, peut-être, c'est là-dessus qu'on y gagne, va être plus importante que, en fait, l'impact du fait de sortir de la filière recyclage tous ces gilets de sauvetage? Voilà, enfin là-dessus, moi, c'est vraiment des sujets sur l'économie circulaire. Souvent, il y a ce sujet-là de un peu gadget qui me gêne parfois. Et du coup, savoir comment est-ce qu'on n'est pas naïf face à ça et où est-ce qu'on y gagne en fait. Finalement, quelque part. Je ne sais pas si c'est grave. Mais j'entends votre question. Alors, c'est vraiment la. Hélène, on a démarré ce projet il y a plus de 5 ans, moi je n'étais pas encore chez Bellum, donc je ne connais pas parfaitement la jeunesse du projet, mais il me semble bien que ce soit les équipes achats en fait, d'Air France qui ont appelé Bellum pour dire, attendez, on a tous ces gilets là, sur les bras, on sait que peut-être qu'on peut en faire quelque chose. Moi je ne connais pas la politique de recyclage classique qui existe pour ces gilets de sauvetage, je ne sais pas s'il y a une incinération classique ou si justement comme du coton, ça peut s'effilocher, on peut en faire quelque chose derrière. Nous, on essaie majoritairement de transformer des matières qui, justement, ont une seconde vie qui n'est pas, un recyclage qui n'est pas facile et qui, du coup, n'est pas idéal, comme du coton qu'on pourrait, par exemple, des t-shirts en coton, on ne va pas forcément les recycler parce que ça se recycle déjà très bien et puis ça peut avoir une deuxième vie facilement. Et du coup, ça vient vraiment d'Air France qui avait ce besoin-là, qui disait on a tellement de stocks de ces déchets-là, est-ce qu'on peut en faire quelque chose? Et on a associé ça au marketing d'Air France qui, après, on a fait. Ce projet-là de revente, je tends à croire que si c'est revendu par Air France, les gens qui l'achètent, ils en ont un. J'espère qu'ils auront un usage derrière, qu'ils les utilisent vraiment. Je ne sais pas si je réponds à vos questions, mais.
Peut-être que François-Xavier... Je ne crois pas que c'est aussi noir et blanc que ça. C'est ça, on peut faire un ACV, peut-être que vous avez travaillé ensemble. Peut-être, oui, effectivement. En tout cas, c'est un vrai point, parce que déjà le raccourci économie circulaire égale upcycling, c'est un raccourci de fou. Quoi. Parce que quand on regarde la définition de l'ADEME, il y a 9 piliers, dont recyclage, mais aussi éco-conception, écologie industrielle et territoriale. 7, voilà, je ne suis pas très bon. Je suis pas... C'est un nombre impair, ça va. Ouais, ça peut prendre une liste. Ça passe. Ouais. Il y a une tendance quand même à transformer le terme d'économie circulaire, d'en faire un petit fourre-tout qu'il y avait en fin 90, hein, le développement durable. On mettait tout sous le tapis, il y a marqué développement durable dessus, tout va bien. Et il y a une vraie distorsion de ce terme-là. Et pour s'en assurer, et c'est une analyse super triviale, parce que qu'on a faite, il suffit de regarder la feuille de route économie circulaire, nous on y a contribué mieux en tant que qu'expert, et en fait il suffit juste de faire un contrôle F dans la feuille de route économie circulaire et de taper recyclage, recycler, déchets, ménager, éco-conception, écologie industrielle et territoriale, et en fait on est il y a, je sais pas, 97 fois le terme déchets, 88 fois le terme recyclage, etc. Éco-conception c'est 6 fois, écologie industrielle et territoriale 2 fois, et en fait on voit bien qu'il y a une grosse distorsion, il faut surtout pas que ce terme soit juste utilisé pour greenwasher et puis faire le recyclage des déchets d'emballage ménager qui est censé être fait depuis les années 90. Il y a une loi en France pour ça. Quoi. Et donc là, il y a une vraie distorsion. Et pour aller plus loin, et en tout cas, nous, c'est... Alors évidemment, je parle d'où je suis, quoi. Enfin, je parle en tant qu'éco-concepteur, donc nécessairement, c'est un parti pris. Mais en tout cas, nous, on bosse et on a un projet en cours. Un deuxième, je touche de la peau de singe, qui devrait arriver, sur de l'éco-conception de l'économie circulaire. C'est-à-dire, ok, on a un produit qui est en économie de la fonctionnalité, est-ce que réellement, il est plus intéressant que si c'était pas en économie de la fonctionnalité? Et un autre projet, là, sur de l'écologie industrielle et territoriale, est-ce que réellement, c'est plus intéressant d'aller récupérer, créer la filière, faire tourner des camions partout, mettre de l'énergie, machin, versus ce qui se passe aujourd'hui? Et puis, éco-concevoir les propositions, faire des propositions pour avoir une économie circulaire éco-conçue. Et effectivement, s'il n'y a pas de mesure, ça devient compliqué. Hein. Enfin, l'éco-conception, c'est de l'amélioration continue. Pour s'améliorer, il faut se mesurer. Je ne peux pas me regarder dans la glace et dire « Ah, j'ai perdu 2 kilos ». Ben non, ça ne marche pas. Il faut une balance. Et effectivement, ces outils, même s'ils sont limités, hein, la CV reste à des limites et des machins, ils ont au moins ces qualités-là. Et effectivement, il faut faire attention à faire de l'économie circulaire éco-conçue. Et après, nous, au sein des Maïs aussi, c'est des questions qu'on a toujours eues aussi, de dire on va détourner. Mais depuis le début, on est complètement transparent sur le fait que notre impact environnemental, il est principalement sur la sensibilisation. Et finalement, très peu, on n'a jamais donné de chiffres sur ce qu'on valorisait, parce que finalement, le kilotonne de papier qu'on valorise par an, c'est ridicule par rapport au nombre de personnes qu'on va sensibiliser à travers des expositions, des conférences, montrer nos produits. Et après, sur la boutique, par exemple, on a un vrai questionnement aujourd'hui d'aller de plus en plus faire de plus d'ateliers que de production, finalement, qui sont vraiment un partage de savoir-faire et du demi-mesure, donc demi-mesure, sur mesure et sur commande, le plus possible aussi, donc pour avoir aussi des productions. Mais bien sûr que nous, sur l'upcycling, l'impact est beaucoup plus sur la sensibilisation que sur la production. Quoi. Il me reste le temps pour deux petites questions et deux réponses courtes. C'est des termes qui étaient un peu sortis du chapeau il y a quelques années. En fait, c'est plutôt même des travaux de recherche. Maintenant, la Commission européenne utilise ces chiffres-là. Donc on les donne. Je suis désolé, ça vibre. Donc, si je reprends, l'exemple simple, c'est vraiment le sac en cuir. Si j'ai déjà décidé de faire un sac en cuir, j'ai déjà choisi ma matière. Donc, l'impact du cuir, qui est en réalité ce qu'a mangé la vache. Hein. L'impact du cuir, c'est... Et tout ça, tout ce qui est en amont. Et puis quand je vais dessiner, que je fais une forme, je vais créer de la chute. Donc, tout ça va avoir un impact.
je choisis une couleur, je vais avoir certains pigments qui vont aussi avoir un impact environnemental. Je mets des pièces métalliques, ça va avoir un impact, etc. etc. Le poids que je vais générer va avoir un impact sur la... Donc la forme, slash l'épaisseur, slash tout ce qu'on veut, va avoir un impact sur le transport, etc. etc. Donc c'est ça. Est-ce que j'ai répondu à... C'est la phase de réflexion. Ouais, conception, design amont, ce qu'on veut, mais c'est quand c'est encore à l'état de projet, quoi. C'est là que tous sont les impacts. Et c'est la même chose sur de la création d'entreprise. C'est pour ça qu'on a fait Mucelium. Il y a la même idée. Voilà, quand je décide déjà mon business model, c'est là où je génère la majorité de mon impact. Et dernière question. Question courte, réponse courte. Goodies aussi, ça m'interpelle, mais là je trouve que c'est un peu différent. Parce qu'avec Bilhomme, il y a aussi une notion collector qui est très forte. Et je trouve qu'on dépasse du coup l'accessoire goodies et que c'est un objet qu'on va garder parce qu'il est super cool. Enfin, le sac Janda, il est bien, quoi, tu vois. Mais ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, j'avais une autre réaction par rapport à ça. L'avantage, je pense, de ces approches, c'est qu'on vit dans une société où ces offres, elles existent. On va donner des goodies. Les entreprises, elles cherchent ce genre de matière. Donc, autant proposer de la matière qui est réemployée plutôt pour encourager tout ça, plutôt que du neuf. Et il ne faut pas oublier aussi l'aspect émission de CO2, le recyclage, beaucoup de filières de recyclage émettent énormément de CO2. Et l'upcycling, quand on compare, c'est quand même beaucoup plus avantageux. Et donc, si on arrive par ces superbes initiatives, il faut le dire, à encourager ce nouveau type de réflexion et de modèle, je pense qu'on y gagne, même si on tire du... Mais bon. J'aurais du mal à vous suivre sur l'argument l'offre existe et du coup on y va. Voilà, c'est là-dessus je ne pourrais pas. Mais c'est mon avis très personnel. Le mot de la conclusion, et je le donne à François Xavier, et je vous inviterai après à poursuivre lors du café extérieur cette semaine. Mais on est complètement en phase. Et moi, je ne l'ai pas dit là, mais on a trois typologies de clients, on a les startups, les grands groupes, et puis une troisième typologie qui sont le grand public, les fédés industriels, les incubateurs, les écoles de design, etc. Parce qu'on sait que faire une offre écolo, c'est bien, mais c'est la moitié du problème. Si on ne change pas la demande, et notamment de moins consommer, faire durer, réparer, on répond qu'à la moitié du problème. Donc clairement, il ne faut pas juste se dire, bon, on va faire une offre plus vertueuse, il faut aussi changer nos manières de consommer. Et j'espère que là, en discutant un peu tous ensemble, on contribue à changer nos mindsets. Et quand je parle du coup à dire ça marketing, communication de grands groupes, justement on est confronté à ça. Il y a des prix aussi qui sont de goodies beaucoup plus chers que des goodies autres. Et justement, je leur dis faites moins mais mieux. Et ça, c'est déjà un petit bout. Voilà. Bien écoutez, merci beaucoup. Avant de remercier. Juste un petit mot après pour aller réapplaudir, mais juste un peu pour votre actualité. Je sais que vous, Bilhomme, vous allez bientôt vous agrandir et vous attendez bientôt un heureux événement qui reste encore un petit peu nébuleux, dont on ne dira rien. Mais on veut se rapprocher de Paris. Et pour Mu, je sais que vous avez une de vos startups, deux des startups incubées, une startup incubée qui est dans... Deux partenaires clients. Qui sont Carus, qui est sélectionné pour les trophées de la mode circulaire, et Pixo, qui démarre maintenant sa campagne Ulule. Donc, semaine prochaine. Donc, si vous voulez aller les suivre, voilà. Donc, je vous remercie encore une fois, et encore merci beaucoup. Merci. Et donc. On se retrouve dans 8 minutes 30 pour la prochaine table ronde. Okay. Le temps d'un petit café. Oui, bien sûr. Là, dans les prochaines semaines, moi, j'aurai pas beaucoup de temps les prochaines semaines, mais vous pouvez passer la boutique 713.
d'ailleurs, le flyer de l'expo, il y a le contact de Daniel. Oui. Enchanté.